Nos amis chasseurs, amis ruraux, merci d'être venus en nombre aujourd'hui à Prades. Cette manifestation, c'est la vôtre. Nous devions, au mois d'août, le 8 août dernier, être devant les portes de Brégançon, où le président Macron était en villégiature, en vacances, dans le département du Var. Nous avions tout organisé. Et je sais que beaucoup ont été déçus que nous n'allions pas ce jour-là manifester comme c'était prévu. Mais nous avons été bernés. Nous avons été, dans cette histoire, les cocus de l'affaire. Monsieur Castex nous a promis une chasse pour cette année avec des quotas diminués que nous aurions pu discuter à Matignon dans les jours qui suivaient. Effectivement, nous avons été reçus à Matignon, mais pas par le Premier ministre, par son directeur de cabinet, mais qui, après nous avoir longuement entendus, une heure et demie, nous a bien écoutés et nous a signifié qu'il ne prenait pas les décisions lui et que les décisions seraient prises par son patron. Donc, nous avons fait un déplacement à Blain, la photo était belle, mais il n'y avait que la photo qui était belle. Mais aujourd'hui, en venant à Prades et en mobilisant en l'espace de quelques jours, comme vous l'a dit Madame Savelli, que je remercie pour l'organisation de cette manifestation, elle a pratiquement tout fait avec l'appui de nos collègues des PO, si vous êtes venus aujourd'hui, à la veille de l'ouverture de la chasse pour certains, c'est parce que vous avez bien compris. Vous avez bien compris que c'était la chasse à la glu qui avait reçu un coup de poignard et qui avait été condamnée. On peut dire que sa condamnation a été signifiée par les plus hautes instances de l'État français sous couvert de l'Europe. Alors que cette année, rien n'obligeait l'État français à prendre des mesures autres que celles qui avaient été prises l'année dernière. C'est un faux problème. Avant d'être jugé, on est présumé innocent. Et le jugement Cour de justice européenne aura lieu dans le courant de l'année 2021 ou plutôt en fin de l'année 2020. Donc toutes les conditions étaient requises pour avoir un nouvel arrêté. Et vous avez bien compris, vous avez tous compris que c'était la chasse à la glu qui avait été mise devant au banc des accusés, mais que toutes les autres chasses traditionnelles étaient dans la valise de Madame Pompili. Madame Pompili, une ministre, entre guillemets, et qui est plutôt une militante sectaire, je dirais même raciste vis-à-vis des chasseurs. D'ailleurs, les effets n'ont pas tardé à faire jour, puisque vous avez eu hier soir l'arrêté concernant la chasse à la tourterelle, qui a été suspendu après avoir pris 2 jours avant son ouverture un arrêté à l'arrache, disons qu'à contre-cœur, et surtout en ne pas défendant les principes de cette chasse. Le troisième point qui a été avancé, c'est le référendum d'initiative populaire. Ce référendum d'initiative populaire est la condamnation de toutes les chasses. De toutes les chasses. On y avait mis un certain nombre de pratiques, la glu, les chasses traditionnelles, le déterrage. Et on y ajoutait maintenant la chasse aux chiens courants. La chasse aux chiens courants dans le cadre de la loi qui va être débattue au début du mois d'octobre à l'Assemblée nationale. Donc, messieurs les élus, nos amis élus, faites le forcing auprès de nos parlementaires pour que ce texte de loi ne voit jamais le jour. Ne voit jamais le jour, même pas en discussion. Qu'on l'enterre comme on a réussi. Qu'on l'enterre comme on a réussi à enterrer à une certaine époque le projet d'interdiction de la chasse à la glu. Parce que nous avons des avis favorables de l'Assemblée nationale pour la pratique de cette chasse. Nous avons des avis favorables du Conseil d'État à 2 reprises. Donc c'est quelque chose qui est important et il faut que les politiques le sachent. Alors bien sûr, me direz, il va y avoir des élections et on s'en souviendra. Mais il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir parce que le mouvement qui a été aujourd'hui lancé est un mouvement fort. Le président Schran nous en dira certainement quelques mots. On ne veut pas s'arrêter en chemin. On sait que la chasse, en général, est menacée. Mais aujourd'hui, par votre présence à Prades, vous montrez que la chasse française est debout et qu'elle est prête à se battre jusqu'à la limite de ses forces. Ouais.